Les Anges 10, la mère de Sarah Van Hulsté prend sa défense face aux accusations de sa demi-sœur. Jennifer, la demi-sœur de Sarah Van Hulsté, l'avait accusée d'avoir menti sur son passé. Aujourd'hui, la mère de la chanteuse prend la défense de sa fille. Sarah Van Hulsté s'était récemment confiée sur l'absence de son père dans sa vie. D'après ses dires, elle aurait été abandonnée à l'âge de 3 ans. Sa demi-sœur, Jennifer, a par la suite décidé de revenir sur les propos de la candidate des Anges 10 pour Pure Bria. Elle a déclaré que tout n'était que mensonge. Son père adorait Sarah et aurait toujours répondu présent pour elle contrairement à cette dernière. De notre côté, Sarah n'existe pas. Ça me brise le cœur pour mon père car je l'ai enterré seul. Or, la mère de Sarah Van Hulsté sort à son tour du silence. Sarah Van Hulsté trouve du soutien auprès de sa mère. Ne pouvant laisser Jennifer tenir de tels propos vis-à-vis de sa fille, la mère de Sarah s'est confiée. La demi-sœur de Sarah n'a pas vécu avec nous, et ne sait donc rien de ce que nous avons vécu. Ce que vous avez vu dans l'épisode des anges était totalement sincère. Elle a également précisé que Sarah était bien présente lors de l'enterrement de son père. Les visites étaient très rares et très éloignées l'une de l'autre, ensuite son père est parti habiter en Isère, quand elle avait entre 6 et 7 ans, et à partir de ce moment-là, elle n'a plus eu aucun signe de sa part. Jennifer n'a donc pas enterré son père seul comme elle le prétend. Selon la mère de Sarah Van Hulsté, tout ne serait qu'une simple histoire de jalousie. Si Jennifer avait voulu en parler avec Sarah, il lui aurait suffi de l'appeler, et de discuter de tout ça en privé. Ce qui veut dire que c'est bien la jalousie qui a guidé sa démarche. Qu'en pensez-vous ?